petite Luciole, t'es passée où? Ah, t'es là? Salut. Moi, je m'appelle Luce et j'ai 9 ans tout pile. Et je suis cachée dans un endroit bien particulier. Non, non, je parle pas de Netflix, mais d'une école où vivent les enfants. T'as déjà vu ça? Tu veux savoir comment j'ai atterri ici? C'était un jour comme les autres dans la communauté autochtone où je vis. Jusqu'à ce que j'apprenne des choses pas très cool sur mon passé. J'ai découvert que j'avais un grand-père très méchant qui cherchait à me retrouver. Tout le monde me l'avait toujours caché. Quand je me suis enfuie, ça a été horrible. On sait tous que c'est pas une bonne idée de s'échapper la nuit dans la forêt. Mais heureusement, la Luciole qui me porte bonheur m'a montré le chemin. Elle trouve toujours un moyen de m'éviter les ennuis. Lumière! Tu parles à qui? Ah, lui, c'est Joka, mon nouveau meilleur ami. C'est une véritable fripouille, mais il m'aide à rester caché ici. Dis coucou. Coucou. Alors, tu vas étudier ici? Je vais te montrer l'école. C'est vraiment différent de l'endroit d'où je viens. Mais je suis sûre que ça va te plaire. Tout le monde dans notre classe va t'adorer. Il y a Adri, Nick, Otavio, Miguel est super marrant, Elia est bourrée de talent. Celle qui pourrait causer des problèmes, c'est Sabina. Je t'ai à l'œil, fais gaffe. Elle adore s'en prendre à moi, on passe notre temps à se disputer. Joka? Bah alors, avec qui tu parles là? Oh, salut! Comment t'es entré? Attends, je vais être obligé d'appeler la directrice Isabella. Et vous deux là, vous ne bougez pas, compris? Je reviens tout de suite. C'est sa faute à lui si je suis arrivée ici. C'est le professeur de biologie et c'est lui qui est chargé de notre classe. On te promet énormément d'émotions, du mystère, une petite pointe de magie. Et bien sûr, du plaisir garanti pour toute la famille. Je crois que je suis prête pour cette aventure. Oh, une petite Luciole, viens.